Salut à tous, c'est Jesse. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale pour la récompense gratuite, le planeur Kurama. N'hésitez pas à y liker et à vous abonner et à laisser un commentaire, ça aidera la chaîne à se développer. Donc, pour avoir accès au site, vous avez juste à cliquer sur s'inscrire ou sinon, je vous mettrai le lien dans la description pour pouvoir faire les défis. Alors, le planeur Kurama, qu'est-ce que c'est? Bah, le voici. En gros, c'est le démon renard à 9 queues, Kyuubi. Alors moi, je l'ai acheté dans la boutique, malheureusement pour moi, mais on peut le débloquer gratuitement avec des défis. Alors nous voici sur le site en question pour débloquer les récompenses. Vous cliquez sur se connecter, connectez-vous, jouez à Fortnite, gagnez les récompenses. Alors voilà, là je suis connecté. Alors, les défis de Naruto jour 1, c'est terminé. On gagnait quoi? Bah, une émoticône. Alors moi, je l'ai reçu, vous inquiétez pas, vous pourrez le débloquer plus tard. Alors pour ce qui est du planeur, il n'explique pas exactement, mais a priori, c'est faire l'objectif de droite pour pouvoir avoir le planeur. Vous voyez, objectif de points du jour, 100. Pour débloquer le planeur Kurama, gratuitement, vous faites l'objectif. Alors moi, j'ai fait celui de Naruto, votre score 36, objectif de points du jour, 35. Donc quand j'ai fait les 35 points, qu'est-ce que j'ai eu? Voici ce que j'ai eu. Vous avez reçu le planeur Kurama et l'écran de chargement, l'union des ninjas. Bon, moi, j'avais déjà le planeur, donc ça a fait comme si que ça m'a fait débloquer le planeur, mais je l'avais déjà. Voilà, pour ce qui est des émotes, le jour 5, vous pourrez tous les débloquer en faisant seulement 2 petits points. Voilà. Il n'y a rien de compliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo sur comment débloquer le planeur gratuit Kurama. Sur ce, à la prochaine !